joueurs en forme, des joueurs qui sont en méforme, des blessés et ainsi de suite, des révélations aussi. Donc je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui peut vous donner son groupe dans sa totalité 7 mois avant une grande compétition. Bien sûr, on espère pouvoir compter sur cette ossature, mais il faut que d'autres poussent derrière la porte. Je sais que vous aimez bien les noms, mais quand je vais voir le Raja Casablanca hier soir, bien sûr que je regarde la performance collective, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est les performances individuelles de chaque joueur. Et les questions que je me pose à chaque action par rapport à ce que j'ai, est-ce que ce joueur peut m'apporter quelque chose? Donc tous les joueurs sont suivis, même ceux qui ne sont pas dans cette sélection. Il y a une présélection qui est remise avant chaque stage, il y a 45 noms, donc c'est très vaste. Et on essaye de toujours améliorer ce groupe. Maintenant, j'ai certaines préférences. Cette ossature, cet état d'esprit, ces joueurs qui ont construit cet état d'esprit, donc ceux qui viendront se greffer, parce qu'il y en aura forcément, il faut qu'ils rentrent dans le moule, on va dire, et qu'ils se plient à la discipline de cette équipe nationale.